Alors, ce jeu qui est sorti il y a un petit moment, je crois d'ailleurs, que j'ai complètement pas vu, qui se passe dans un cimetière. Maminao, voilà. J'ai marre d'avoir des cernes. Ouais, tu pourras jamais t'en débarrasser. Hein. Moi, je les ai acceptées, les miennes. Hein. Je suis en mode, ouais, bon. Bon. Je les ai acceptées, mais je les cache un peu dès que je peux, évidemment. Parce que. Faut pas déconner, mais. Mais bon, faut s'y faire, voilà. C'est comme ça. Même y avant l'heure. Enfin, non, c'est pas des rides, mais. Quoique les rides. Là, ça commence un peu, hein. Faut que j'arrête de rigoler. Je reste tout le temps comme ça. Alors non, pas non, tu me mets pas en FPS illimité parce que ça va bugger. On va laisser en height. Ok. Est-ce que j'ai le droit à du français ou est-ce que je vais me faire voir? Ah, je crois que je vais me faire voir. Attendez. Déjà, on va activer. Ah, non, ils sont activés? Ah, j'ai un doute. Alors quand je clique sur off, ça active le. Étrange. Ouais, on va dire que c'est activé les sous-titres. Et du coup, non, bah il n'y a pas de réglage de langue. Ok. Ces ne sont pas réellement un facteur de fatigue ou de vieillesse. Acceptez-les, hydratez-vous exactement. Néant la sage. C'est la sage. Ok. Au départ, du coup, n'hésitez pas à me redire pour le son du jeu. Pour Graveyard Shift. Graveyard. Je sais pas comment ça. Je prononce peut-être très mal. Il y a des gens qui passent ici. Non ? Ah non, c'est des piafs. Ah non, oui, pardon, c'est des piafs. C'est des gros piafs. Du coup, on va travailler dans un cimetière. C'est cool. Ça change. On voit pas tellement dans les jeux d'horreur non plus, hein. Dans le silence de la nuit, les démons font je sais pas quoi. Et ouais bon voilà. Pourquoi je continue à essayer de traduire les jeux d'horreur qu'on fait? De toute façon, ils laissent pas le temps de lire. Voilà. Allons au cimetière. Dark Phobia Games. Presence. Je précise que le jeu est sur Steam, qu'il est payant. Il coûte 4€ en solde, 6 en pas solde, je crois. Et on va voir ce que ça donne. Il y a des corbacs. Coucou papillon bleu, tu vas bien? Décembre 1995. Whispering. Cimetière, mais il y avait un mot en plus, je crois, mais j'ai pas eu le temps de voir. Ok. Le jeu a l'air correct graphiquement. Ça a pas l'air trop mal. No lighter, non. C'est pas ça que je voulais faire. Bienvenue. Non, je crois qu'il est pas trop mal noté. Écoutez, on verra bien. Bonjour mon brave. Vous avez la tête très pixelisée de loin, c'est bizarre. Salut. I'm glad. Putain. And I'm sure we've hired a great guardian. D'accord, et les sous-titres, je vais me faire voir du coup. Il a dit qu'il était content de me voir. Et que je ferais un bon garde. Alors attends, du coup, fallait rester comme ça. Là, ils sont on, mais c'est grisé, du coup, c'est bizarre. Ah ouais, bon, ça doit être ça. OK. I know that during the first few nights you might not feel comfortable. Je sais que pendant les premières nuits vous ne serez pas très confortable dans cet endroit et que ça peut faire un peu peur. Mais voilà, ça va passer après. This cemetery is the most. Et d'ailleurs, il est ventriloque le mec. ce cimetière est le plus paisible, l'endroit le plus paisible la nuit. Et vous pourrez, on pourra apprécier la tranquillité et le silence de cet endroit. Bien sûr. Vous avez besoin d'être très vigilant et de laisser personne entrer. Ah, il y a plein de personnes connues qui sont enterrées ici. Ok. Pourquoi ils se rapprochent comme ça?
Monsieur, reculez. Il faut que j'aille voir Johnny. Mais... Il a voulu un bisou ou... Il est où, Johnny? Whispering Winds. Ah voilà, c'est ça que j'ai pas eu le temps de lire tout à l'heure. Graveyard. Graveyard. C'est chiant à dire comme mot. Je sais pas où je vais. Le son, c'est bien ou pas? Pourquoi vous dansez sur place? Il a peut-être envie de faire pipi, ça c'est possible. Alors non, pas par là. En tout cas, c'est fluide. Ah, il y a des petites croix sur... Ah ouais? Sur les voitures des... Ah ouais. Il me semblait que ça se faisait peut-être derrière la voiture, mais je pensais pas que au-dessus. C'est la première fois que je vois ça. Ok. Allons par là peut-être. Non, c'est fermé. Fermé, ça a l'air très vide aussi. Hein. Le son est bon, vous entendez suffisamment? Mettez un tout petit peu plus fort pour moi. Il y a les PNJ dans Oblivion où t'as un zoom x500 sur leur gueule. Oui. Coucou Siona. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait complètement penser à ça, ouais. Oh. Eh, pourquoi il y a le tableau de la perle? Ça fait pas sens. Ça fait penser au jeu, du coup, Mortuary Assistant. Pouit, 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 pouit. Bon bah en fait il fallait que j'aille tout droit. Il est où Johnny du coup? C'est Johnny Hallyday? Mais c'est grand. Oh putain. J'ai cru que c'était Frankenstein. C'est vous Johnny? Bonjour. Oh la sale tête. Oh putain. Monsieur, vous êtes déjà mort en fait. Non? Vous devriez être là-dedans. Il est grand de fou. C'est genre un visiteur ou... J'ai un doute, hein. C'est bizarre. Ou c'est un croque-mort? Les petites lanternes. Lui, il en a des rides. Voilà, ça dédronce. Ah, la petite église qui est là. Moi, je fais un peu le tour en même temps. Il y a des caveaux. Je ne peux pas rentrer dans l'église, ok. Je peux rentrer nulle part pour le moment. Oh, me cherche pas, me cherche pas. Me cherche pas. Ah, c'est vous, Johnny? Oh putain. Vous devrez être le nouveau gardien de nuit. Vous savez que gardien de cimetière n'est pas facile. Ah, on va observer des caméras, je savais pas du tout, c'est cool. Ok, donc il y a des caméras vers les gens un peu connus qui sont enterrés. Vous devez régulièrement checker les caméras et laisser personne rentrer. Ce soir, le cimetière a 3 invités. Merde, et d'un coup, il s'arrête plus. Tomorrow, the funeral for these will be held, and you must be very attentive at the cemetery. Ok, on va enterrer les corps d'un groupe de rock qui s'appelle les Fantômes Rock. Enfin, je crois. Demain, le funérail. Il y a un truc très important que le prêtre n'a pas dû nous dire. Le précédent gardien de nuit est mort d'une attaque cardiaque. Et on a trouvé son corps dans l'église avec la porte ouverte. Et avec un bluish complexion, je sais pas ce que c'est. Et il avait une expression terrifiante, enfin de terreur sur le visage. Je ne veux pas vous faire peur. Je pense que c'est mieux que vous le sachiez et que vous restiez alerte. Vous avez la moindre question, contactez-moi. Et checkez les caméras. Ok. Eh, du coup, c'est Dead Signal ou pas? Coucou, tu vas bien? Ok, donc tout le monde s'en va. Ah, le teint bleuâtre, ah d'accord. Pour bluish. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors. Mais. Mais c'est pas un bruit de corbeau, ça. Mais c'est des. C'est des vautours, c'est pas des corbeaux, là. Ils font des bruits bizarres. Hein. Alors, retournons là où il y avait la caméra. De toute façon, j'ai l'impression que les autres endroits, je peux pas vraiment y aller pour le moment. Là, il y a quoi? Ouais, j'aime bien fouiller. Il y a rien, mais voilà, je suis contente d'avoir regardé quand même. Des dauphins, des airs, ouais, ça fait un peu ça. Ah, le grand monsieur est encore vers la tombe. Je dois lui demander de partir. Ah bah oui, il faut que je vire tout le monde. Ah oui. Ah, donc c'est un visiteur, le grand monsieur, ouais. Grand monsieur, si vous n'êtes pas mort, vous n'avez rien à faire ici. Attention, sinon j'appelle Buffy, hein. Allez, zou. Comment je lui dis de partir? Le jeu, il est bourré. Excusez-moi, monsieur, je dois vous demander de quitter cet endroit. Le cimetière va fermer dans 5 minutes. Et vous devez aller vers la porte. Ok. Je dois fermer la porte. Ouais, putain. Comment il marche? Il a l'air à moitié vénère, à moitié bourré. Oh putain, je vais me le faire sur l'or. Regardez-moi ça. J'ai pris ma bouteille de pinard en plus. Il va arriver à monter dans sa voiture ou pas? Ou il part à pied? Il part à pied. Il a l'air super vénère. Allez, on ferme. Voilà. Il avait l'air nerveux. Ah! Est-ce que c'était à cause de ce que j'ai dit? Effectivement, il avait l'air énervé. D'accord. Alors, tape pourquoi? Moi, j'ai une map. Security room, church. Ah, fuse. Ça va nous servir à un moment donné. Warehouse. Dissection Hall. C'est où le Dissection Hall? C'est ici? Est-ce que j'ai le droit d'y aller maintenant? Bah non, toujours pas. D'accord. On va peut-être pouvoir y aller plus tard. Bon bah allons checker les caméras. Je marche pareil quand j'ai en ville. Je suis pas content. Waouh! Il me tarde de dormir sur ce lit à l'aspect de chair un peu, voilà. Je pète d'impatience là. Vraiment, la texture est parfaite. J'ai un petit réchaud. Ah ouais, c'est pas foufou, hein. Je crois que c'est une chicha, c'est quoi ce truc? Regarde un petit peu le truc là. Drugs. Pourquoi y a un réchaud là, y'a un réchaud là. Putain, j'ai vu qu'il y avait un mec. C'était la statue là. Vas-y, ferme la porte. Oh, important. Très important, je pense. Chut. Ok, alors la caméra. Putain, ça m'a défoncé l'oreille. Comment je sweep? Je sweep comme ça, ok. Il y a des corbacks. C'est un poste à souder. Mais pourquoi il y a un poste à souder? Donc ça, c'est l'église. Mais du coup, si je vois un mec, faut que j'aille le voir, je suppose. Est-ce que j'ai une arme pour me défendre au moins? Ça, c'est l'intérieur de l'église, ok. Attention aux animatroniques. Oh! Ah, il y a une fuite! C'est où la fuite? Attends, je sais pas où c'est la fuite. Oula, c'est où ça? Ça doit être dans Dissection truc. Ah, il y en a un, il va se relever 100%, c'est tellement sûr. Ok, ça c'est les cercueils. Voilà, allons voir la fuite. Il y a une fuite, mais je sais pas où c'est. Objective updated. Examine the water pipe. Ouais, on va aller observer le water pipe. Par contre, je sais pas où c'est. J'ai pas bien réussi à comprendre où c'était. Oula, mais il pleut? Ah oui, il pleut. C'est le water pipe. Euh...
Pourquoi j'entends un chien? Alors, faut savoir que j'adore les chiens. Vraiment, j'adore les chiens. Trouver la statue morte. Vous avez entendu les cris du démon. Quoi? Bonjour. Le cimetière est fermé, messieurs, dames. Vous n'avez pas à rester ici. Voilà, merci. C'est bien. Je ne peux pas en croire mes yeux. Non, mais c'est bien, ils respectent mon autorité. Et ça, c'est bien. Bah, du coup, j'ai arrêté la fuite. Avant même d'y aller. Ouais, du coup, j'adore les chiens, mais dans les trucs d'horreur, un chien méchant, ça me terrifie. Hein. Enfin, même dans la vie. Hein. Dans la vraie vie, j'adore les chiens, mais si je vois un chien qui est méchant, je suis terrifié. Alors, je suis pas du tout en confiance, quoi. C'est une hallucination collective. J'adore les chiens, mais... Peut-être pour ça que dans certains jeux d'horreur, il y a eu des malheurs avec des chiens. Non, c'était pas de ma faute. Ok, la fuite, c'est bon. Les gens ont été évacués. Voilà, j'ai évacué même les fantômes. Ça va. Faut pas dire que je fais mal mon boulot. Hein. Le verrou Nao. Oh, c'est pas grave. Rappelez-vous que j'ai dit ça. Moi. Il y avait une lumière là? Ah oui, peut-être, ouais. Quand j'avais 4 ans, je me suis fait nom nom par un toutou, mais je les aime toujours. Ah, t'es fait nom nom? Vache. Non, moi, il m'est rien arrivé de fâcheux avec des chiens, à part qu'il y en a qui m'ont fait peur. Juste quand j'étais gamine, il y avait des chiens qui vadrouillaient dans le village où j'étais. On était à l'école en primaire, et en fait, ils sont rentrés dans la cour pendant la récré. Mais ils étaient pas méchants, c'est juste qu'ils m'ont fait flipper, parce qu'en fait, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont couru dessus, ils m'ont sauté dessus. Et du coup, je suis tombée à la renverse. Évidemment, ils ont sauté que sur moi. En même temps, tout le monde s'est barré. Moi, j'ai bugué en mode « Oh, des chiens !» Et du coup, voilà. Et du coup, ils ont voulu jouer avec moi. Et... Ah ! Il y a un cadavre qui est tombé. C'est quand même bizarre. Alors. Oui. Oui, oui. Allons voir ce cadavre qui est tombu, voyons. Ça, je connais, une fois dans mon collège, le chien est rentré dans la cour et tout. Ah, ça fait bizarre, ouais. Après, ils étaient gentils, hein. C'est juste qu'ils ils ont voulu jouer, ils m'ont sauté à deux dessus, donc forcément, j'ai fait... Ça fait un peu mal, mais... Mais eux, ils m'ont rien fait, ils m'ont pas mordu, ni rien. Ils voulaient jouer. Hop. Alors... Rezos. Ouais, tu veux des choses étranges. Donc ça, c'est la salle des cercueils. Ah, ils ont tous trois des cercueils bien, bien différents. C'est quoi, ça? Ouais, mais c'est quoi autour là? On dirait un truc radioactif. On dirait du verre. Très étrange. Bon, les Gugus, ils doivent être là. Ça va pas bien, oui! Oh! Oh, la petite fille à la perle là! Hé! Hey, respecte mon autorité un peu, hein! Tu me fais pas des. Comme ça là! Ça se fait pas! Staff on lit, mais je suis du staff! Je peux pas rentrer. Bon, Gilbert. Gilbert, c'est pas sérieux, hein. Vous restez couché. Dans votre état. C'est quand même mieux, hein. Et le mec, il se pose pas une question. Genre, le cadavre, il est tombé tout seul. Il se dit pas, putain, c'est pas possible, en fait. Ah. Ouais, ben, je l'ai vu, hein. Oui. Bon. Oh, une journée normale au travail. Non, mais... Écoutez, mademoiselle, ça ne me choque plus. Regardez, même Rezo, s'il est blasé, il est en mode... Oh. Ça, c'est quoi? Ça, c'est fermé. Okay. Poupouloup.
Pouloup. Tout va bien. Tout est normal. C'est quoi ça? Bah. Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux? Mais. Qui a perdu son crâne? Excusez-moi, mais qui a laissé traîner son crâne ici? Et du coup, on le laisse là. On va le laisser en plein milieu. D'accord. Bon. C'est la fusion de la fille à la perle et du cri de Munch. Ouais, c'est ça. Crâne recherche propriétaire. J'arrive. Enfin, cette fois, on ferme bien les verrous. Voilà. On sait jamais. Allô? Ah, c'est vous qui avez perdu votre crâne! Il est à l'entrée du cimetière! Ah, mais criez pas comme ça! Vous avez perdu la tête, madame! Ouais, je sais. Je sais, je le fais bien. Donc, glow stick? Quoi? Mais à un moment donné, il va faire nuit! Du coup, ça sera encore plus terrifiant. Quoi, ça par terre? Moi, je crois dans Observation Duty, je cherche les anomalies. Je veux dire, attends, il y a un truc par terre, il était pas là avant. Ah, c'est pareil, on dirait qu'il y a un truc sur le toit. Ah, mais non, mais c'est une statue. Tout va bien, tout va bien. L'église. Je suis en manque d'observation de Dooley, je crois. Je cherche les trucs qui ont changé. Okay. Ah, il y a quelqu'un devant la porte. Est-ce que c'est le grand monsieur qui était en colère? En tout cas, il y a quelqu'un. Ah oui, bonjour. Ça va? Il sait que je suis là, en tout cas, il me regarde bien. Salut. Qu'est-ce que... Oui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est lui qui a perdu son crâne, peut-être. Intrus. Intruder, vite. Ok. Il y a un gars en face de la porte. I don't need to tell him to go. Je n'ai pas besoin de lui dire de partir. Et du coup, j'y vais quand même. Lol, c'est fermé. Mince, j'ai pas bugué le jeu quand même. C'est normal que je sois enfermé? C'est bizarre que mon perso dise rien. Ah non, me dites pas que j'ai cassé le jeu. Pas encore. Après, j'ai pas de nouvelles tâches. Ouais, go back in the security room. Bon. Continuons à regarder les caméras, écoutez. On va dire c'est normal. Ouais, je pense que le perso a dit, ouais, j'ai pas besoin d'aller lui dire de partir. Vu qu'il est juste devant la porte, il fait rien. Peut-être pour ça qu'il veut pas sortir, mais c'est un peu étonnant que le jeu me laisse pas sortir comme ça. Coucou chat noir. Ah, on joue à un gardien de nuit de cimetière. Du coup, on observe. Voir s'il n'y a pas des cadavres qui se baladent. Il est toujours là, le mec. Hein. Il n'a pas bougé. Oui, en vrai, c'est logique. En vrai, c'est logique. Le mec, il est devant la porte. Bon, même si c'est un peu creepy, il fait rien de particulier. Il est pas dedans, donc tu peux rien lui dire. Tu peux juste rester suspicious, mais... Ce jeu est logique. Incroyable. Bon. Est-ce que je peux piquer une sieste?
se passe pas grand chose d'autre pour le moment. Je sais pas quand même que j'ai pas fait bugger le jeu, ça me semble bizarre que je puisse pas sortir. Ah, il y a des nouilles instantanées. Je peux pas me faire un petit plat de nouilles ? Allez, un petit plat de nouilles. Ah, mais il y avait une lettre. Oh, mais j'avais pas vu. Alors, j'ai vu une nonne du côté est du cimetière qui se tenait devant une tombe. J'ai pas osé m'en approcher. Ses cris étaient intenses et perturbants. J'ai trouvé une solution... As a multitude of solutions, they can make her voice somewhat more tolerable for you. Attends, j'ai récemment trouvé une solution. Tu peux faire de sa voix pour que sa voix soit plus tolérable pour toi. Juste murmure Jésus-Christ 20 fois. Résuscrit. Ok. Je ne sais pas qui est cette nonne, mais apparemment elle n'est pas humaine. Ah! Et le monsieur qui est devant, c'est pas la nonne. Hein. You need to rest. Ok, je dois me reposer. Bon, bah dodo. Hein. On va peut-être fermer du coup si je fais dodo. Voilà. Pas déconner. Ah, le bon dodo là sur cet incroyable. C'est quoi par terre? Cet incroyable lit de chair. Moi je vois ça hein, quand je vois la texture. Allez, la petite sieste. Hop, le bon gardien de nuit. Hein. Je viens juste de commencer, je vais déjà faire une sieste. C'était fatigant d'aller ramasser un cadavre et de fermer un tuyau. Un matelas de la marque Emma. Si tu cries réseau screen 10 fois avec l'écho, ça marche aussi. Putain, le jeu de l'écho hier. Oh là là, que c'était drôle. Oh non, je dois pas aller vers la lumière. Razos ! C'est toi ? Genre ça y est, ça nous a... ça nous a fucké le cerveau là, de travailler dans un cimetière. Ça fait une heure qu'on y est, on est déjà pas bien. Je ne peux pas avancer plus loin. Ah, il y a une autre lumière là-bas. Bah, il n'y a pas de rideau. En même temps, on est censé surveiller. Hein. Ah, c'est ma tombe, c'est ça? Cool. Allez, hop. Ok. Ah, là, il fait bien nuit. Du coup, j'aimerais bien... Ah, heureusement, une lampe torche. Oh. Pourquoi la marmite s'est renversée? Ah oui, non, mais c'est le meuble entier qui s'est renversé, en fait. Super, c'est dégueulasse, maintenant. Et vous avez eu une lampe est apparu comme par magie ici. Mais je ne peux pas la prendre. What the fuck? Est-ce que je peux au moins remettre ça droit? Non? Putain, mais tu vas pas laisser ça par terre, c'est dégueu. Mais là, le réchaud, on dirait vraiment qu'il l'a allumé, c'est bizarre. Bon, regardons les caméras. Pourquoi toutes ces lumières? Ah, ça va être les... Oula, les lumières de la ville. Il y a des pigeons qui me chient dessus. Non, il pleut. Pour le moment, l'endroit est calme. Cool Blue Flame. C'est ma tombe. Attends, j'avais dit de Junji Ito dans la tête. Ce trou, il fait pour moi. Ah oui. Incroyable, Junji Ito. D'accord, je pense que l'année dernière, il y avait une exposition de lui à Angoulême, quoi. Attends, j'aurais tellement voulu voir ça. Ah, c'est Angoulême, hein, si je dis pas de bêtises. Pour le moment, ici, tout a l'air calme. Pas de fantômes dans les environs.
Mais une voiture fantôme. Ok. Oh vite, allons arrêter ce bip bip, ça pourrait réveiller nos hôtes. Ah, le monsieur n'est plus là. Oula, madame. Réseau, c'est toujours là. À Angoulême, j'aimerais bien y aller, mais c'est pas la porte à côté quand même. Mais j'avoue que j'aimerais vraiment faire le festival de la BD. Pas en tant qu'exposante, évidemment, mais en tant que visiteur, j'aimerais beaucoup. Putain, on voit rien. Bon, est-ce que j'ai le droit de sortir? Voilà. Il y a eu un bruit, non? Oui, bah laisse ça par terre, t'as raison. What? Le verrou est ouvert. Je l'avais fermé. Oh là là. Eh ben, on y voit comme à travers une pelle ici. Une pelle, cimetière. Camelot. Oula, j'ai entendu un bruit. Oh là, je vais me perdre, mais alors beaucoup plus facilement du coup. Ah, suivons les bouts de voiture. Sympa les petites lumières en tout cas de partout. Ah, je crois que je vais pas au bon endroit aussi. Non, je crois que c'est là-bas. Là. Comment j'éteins cette voiture de l'enfer? Ah, j'ai besoin d'un outil dans la warehouse. C'est genre la cabane à outils. Rien qu'un le, tout va bien. Ah, là c'est ouvert. Oh, c'est le bazar ici. Pourquoi je tends toujours la tête au mauvais moment? J'ai une crowbar, yes. Eh, prends la crowbar, non? Regarde cette belle crowbar. Tu peux la prendre, hein. Je peux zoomer dessus, mais bon. Non? Bah... Ah, mais je peux... Oh, je peux me pencher. Ah non, j'ai pris je sais pas quoi. Y'a rien, là. Fermons ça. Faut que je disconnecte. Allez, les câbles de l'alarme de voiture. Oh, ok. Non, ça va bouffer toute la batterie. Alors, j'ai les clés au moins de... Ah non, je fais ça vers le capot du coup, alors. Ah ouais. Pouit. On va dire c'est par là, voilà. Nickel. Et ben voilà. Go back to security room. Oh non, ça m'a réveillé, je pionçais bien. Oh là, cette énorme lune. Elle est grosse, hein. À tes souhaits. Moi aussi, je veux des chipolatas. Non, c'est pas ça qu'il a dit. C'est peut-être pas ça. Ça aurait pu, hein. Fuck. Les fuse. Ah, je vais me perdre. Les fuse. Ok. Ils sont phares là-bas. Find the fuse. On va être par là. Ouais. J'ai l'impression d'encore entendre le tutut de la voiture. Ah oui, je dois dire Rezos 20 fois si je vois la nonne, ouais. Ah oui, ça a bien cramé, dis donc. Faut peut-être pas toucher, non? C'est bon, là, ça va pareil? Check the CCTV?
C'est quoi la CCTV? Quoi, c'est les caméras? C'est quoi la CCTV? Ça doit être ça. Ah, ok. Résus. 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 Oui, Résus. On va peut-être fermer la porte, hein. Allez, hop. Tac. Je pense qu'on va avoir une nonne quelque part. Sûrement dans l'église. Chut, madame, il est tard, les gens dorment. C'est pas possible, hein, le respect. Pas de nonne dans l'église. Des gros bisous, Siona, bonne nuitée. Merci d'être passé. Personne ici non plus. Les voitures font dodo. Ah. Il y a un bruit là. Il y a un bruit de bzzzt. Oula. Ah! Alors, il y a deux cadavres qui sont tombés. On va peut-être aller les chercher, ouais. Ouais. Mais comment les corps ont pu disparaître? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un bruit terrifiant d'un coup? Est-ce que au moins ils ont vérifié qu'ils étaient bien morts? C'est la question qu'on peut se poser. Apparemment, il existe une maladie, bon, qui est très très rare. Hein. Mais où t'as vraiment... Oula, c'est bizarre ça. où t'as vraiment l'impression que t'as vraiment les symptômes de la mort, en fait. Genre, t'as vraiment l'impression que la personne est morte, sauf qu'elle est vivante. Ça doit être un peu terrifiant, quand même. Imagine comment ça... disséquer quelqu'un, et il se réveille en mode... Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Ok, ça pue. Réseau, ça pue. Ah! La jeune femme à la perle n'est plus là. Elle s'est barrée. Ah, mais les cadavres se sont vraiment barrés, ok. C'est pas juste, ils sont tombés, genre. Bah, ils étaient peut-être pas morts, finalement. Monsieur, qu'avez-vous vu? Répondez-moi. Où sont passés vos acolytes? Oh, un faux miroir. Find a way out. 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 Oh, un moyen de nous barrer. Oh, mais non, mais je suis bien ici, moi. Ça veut dire que la porte doit être fermée, je suppose. La clé doit être quelque part. Résus, donne-moi la clé. On va tester, hein, mais je suppose que c'est fermé. Effectivement. Peut-être la clé d'ici que je dois chercher. Ouais, ok. On n'a pas de reflet vampire. Vampire ou dev feignant. Will not be... on ne sera pas enterré ici. D'accord. Bah, vous auriez pu le dire avant de mourir, peut-être. Ça aurait été plus simple de le mettre dans le testament. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un aurait une clé? Il n'y a pas moyen de sortir par cette fenêtre? Ah! Cette fois, je l'ai vu. Oh, la jeune fille à la perle, elle va tellement venir me croquer les fesses. Je sais pas si c'est la meilleure pièce où se réfugier, hein, finalement. Ah, ça c'est bien par contre.
Ça, j'apprécie. Ça, j'apprécie moins. On va pas trop s'en approcher, peut-être. Je sens qu'on va finir là-dedans à la fin du jeu. Oh oh. Bonjour. None. Ah non, c'est en blanc. C'est un ange. Bonjour. Rezos, protège-moi. Je vais pas péter ça, là. Ah, ou peut-être la planche qui est devant la fenêtre. Fuck. Ok, ça m'a fait peur. J'ai eu un peu les boules. Bien joué le jeu. Ah, le dernier cadavre est parti aussi. Bon, bah comme ça au moins. Comme ça au moins. Tout le monde s'est barré. Coucou Gabe. Une dame blanche, ouais. Ouah, comment je vois rien. Ah, ok, c'est normal. Ouais, je vois quand même pas grand chose. Bon, alors, on peut peut-être démissionner, hein, en vrai. Keep Johnny informed by phone. Ok, on appelle Johnny. Johnny! Comme un petit souci. Il y a des cadavres qui se font la malle. Des fantômes qui jouent avec mes nerfs et avec la bagnole. Un portrait qui s'est enfui. Comment ça bien faire, Johnny? Pas payé pour ça, moi. Dépêchons-nous, tiens. Le repos éternel et tout. Non, non, ils sont en train en mode fiesta, là. Et tout le monde se lève. Oh. Bonjour. Monsieur. C'est ma caméra. Ah, bon, d'accord. Ah, vous êtes le nouveau gardien. Bon, je m'en vais, il n'y a pas de souci. Oh, regardez qu'il y a juste à côté, je l'avais pas vu. C'est le Nimbus 2000. Nous sommes sauvés. Vite, prends-le. Ok. Tiens, fermons la porte. Même si, bon, contre des fantômes, ça sert pas à grand-chose, mais... Il observait quoi, la caméra? Bon, appelons Johnny. Il a nettoyé par terre, c'est vrai? Ah oui? Master Johnny, there's a problem. Il y a un problème, monsieur Johnny. I just realized that the bodies are not in their place. Voilà, les corps sont plus à leur place. Qu'est-ce que je dois faire? Monsieur Johnny? Monsieur Johnny, vous m'entendez? Can you hear me? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Mais qui a l'air moyennement terrifié quand même. Oh, Jesus. Mais oui, le mec a nettoyé par terre. Et il a pris mon meuble aussi. C'était la femme de ménage. Ou alors il avait faim. Il a léché par terre. Ce qui est un peu plus dégueulasse. C'est pas le Nimbus 2000, c'est le Naobus 30, le chouchou de la ménagère du même âge. Du coup, t'as dit du Moyen Âge. Je suis en mode, oh, je suis pas si vieille que ça non plus. C'était pour ça le valet, putain, mais tout fait sens. Ce jeu est d'une logique. Il a pas nettoyé les draps. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu changer les draps quand même. Ah, oh. Mais il y en a des gens. Hey, pour un cimetière calme, il y a beaucoup d'activités, je trouve. Moi, j'ai envie de laisser cette personne faire sa petite affaire, honnêtement. Voilà, il a l'air d'avoir une pelle ou... Quoi que vu comment il l'a manie, je suis pas sûr que ce soit une pelle en plus. Hein. J'ai pas envie d'aller embêter ce monsieur. J'ai même pas d'arme en plus. Bon, on va parler d'un bus, mais... Le Nimbus, c'est quand en réelle nécessité, quoi. Ok, y'a rien d'autre. Du Moyen-Âge. C'est un sacré coup de pelle, ouais. Ah, nos signals. Ah, la cam des cadavres ne marche plus. En tout cas, les cercueils sont toujours là. À chaque fois, j'ai l'impression que ça, ici, c'est un visage. Vous voyez ou pas? Ça fait deux fois que ça me fait un peu flipper. Apparemment, quelqu'un est en train de creuser une tombe dans le cimetière. Allez voir. Oh bah oui, tiens. Quelle bonne idée.
Allez voir sans armes. Franchement, mais prends le Nimbus, quoi. Vas-y, pas à poil comme ça. En plus, je sais pas où c'était. Allô? Oula, pourquoi je vois flou? C'était par là, non? Peut-être. Ça aurait pu être par là, honnêtement, non? Non, peut-être pas. Oh! Ah oui, mais il a fait un vachement gros trou! La vache! Il y a plus de combien de temps, le mec? Je me rapproche comme ça. Regarde ce que le diable a fait. Ok. Il voulait un câlin, lui. What the fuck? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce cimetière. Il faut que je quitte ce cimetière le plus rapidement possible. Je ne veux pas mourir ici. Non, tu crois? Mais on n'est pas rentré dans l'église. On va forcément voir l'église, c'est le seul lieu qu'on n'a pas vu encore. De toute façon, on va pas pouvoir partir, la porte sera fermée. On n'a pas vu la nonne encore aussi. Je suis supposé être un gardien de cimetière ou un... Ou un, un fantôme de club. ou un gardien de club pour fantôme plutôt. J'ai pas eu le temps de lire le reste, ça m'a fait rire. Oh, il y a un gros verrou. Shit! Ah, la serrure a changé. Et maintenant, il y a un S. Bonjour. Ok. Je pense qu'ils aiment pas trop le travail que j'effectue ici. Ou alors, ils m'aiment tellement qu'ils veulent me garder avec eux. Au choix. Je trouve ça pas mal comme effet, en vrai. De me faire juste des silhouettes comme ça, de loin. Techniquement, ça demande pas beaucoup de prouesse ni rien. On les voit pas suffisamment, du coup on peut s'imaginer n'importe quoi, et du coup ça marche très très bien, ça marche même mieux que si on les avait bien vus. Je trouve ça très cool, ça rend vraiment bien. Hein. C'est assez terrifiant. Go back to the security room, bah ouais, je peux rien faire d'autre. En vrai tu prends un outil, il doit y avoir une pince quelque part. Enfin une grosse pince. Pète la chaîne. Ah merde, la porte est fermée. Je crois pas que j'avais fermé en partant. Personne. Bon. Je sais pas si ça sert à quelque chose de fermer le verrou à chaque fois. Ou alors ça va servir une fois. Est-ce que c'est pas Johnny qui est derrière tout ça? Voilà, je suis pas sûr qu'on l'ait encore. Ouais. Bonne nuit Ténéant, des bisous. C'est sa voiture comme bélier. Oui, c'est vrai, non, c'est pas bête. Hein. Du coup, il y a un petit feu maintenant ici, devant la tombe. Ah! Vous êtes la nonne? C'est ça? Enchantée. Je suis le nouveau gardien. Bon, apparemment, vous n'aimez pas mon travail. Je m'en excuse, hein. Je fais ce que je peux, c'est ma première nuit ici et ça se passe déjà pas très bien. Mais par contre, c'était qui le mec avec les lunettes et tout? Parce qu'on a vu quand même pas mal de gens différents. Hein. Après, c'était peut-être juste un fantôme. Parce qu'il y avait le monsieur pas content aussi là, qui était grand. Grand et pas content, ça fait peur. On va à l'église? Allez! Non? Bon. Pourquoi pas? Ah! Il y a quelqu'un à l'église, allez voir. Mais quelle bonne idée. Allez, c'est la fête. C'est des collègues pour le pot de départ, mais je viens d'arriver. Ce serait le pot d'entrée plutôt, mais... Je sais pas si ça se dit. Le pot d'accueil.
Je pense qu'au final, j'aurais pas de peau du tout, surtout. Madame ? Madame, vous avez pas à être ici, madame ? Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je ferme. Voilà. Comme ça, je m'enferme. Avec elle. Putain. C'est... Ah non, mais ça, c'est pas cool. Mais non, mais ça se fait pas. Purée. Bisutage. C'est pas honnête, on a dit, c'est Screamer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une lettre. On a enterré l'un des nôtres dans le cimetière. On a un message pour toi. Nous ceux enterrés dans ce cimetière plutôt, pardon. On a un message pour toi. Pendant des années, un démon a été enterré ici, tourmentant nos âmes. Maintenant, tu es condamné à détruire le démon. Avec le cimetière et à nous sauver du tourment. Sinon, c'est la mort qui t'attend. Ok. Vous auriez pu me laisser le choix quand même. C'est pas très sympa. Et le démon, c'est pas ma faute s'il est là. Oui, mais c'est pas ma faute s'il est là, le démon. Merde à la fin. Follow the footprint. Ah voilà, ça y est, les fantômes, ils se disent oh. T'es venu travailler ici, bah tu vas nous sortir du merdier maintenant. Hein. C'est pas cool, hein. Merci Monsieur Pandaka pour le raid. Ah, c'est un fantôme à trois petons. Eh oui, c'est vrai. Eh oui, c'est étrange, effectivement. Ou alors il sautit. Il sautit trois fois. Merci Monsieur Pandaka. On va déterrer le démon. Besoin d'un outil. Oh, purée. Ça, c'est juste à côté. Oula. Oh non! Je dois faire tout le tour. Non, c'est bon. Personne. Non, c'est bon. Acrobat. Oui. Et comment je détruis le démon? Il faut jeter du sel dessus et y mettre feu. Comme dans Supernatural. Pouit. Paf. Je suis pas sûr que ce soit l'utilisation normale d'une crowbar, mais... Pourquoi pas? Ok, ça marche. you led me here. Il doit y avoir quelque chose. Ouais, s'ils m'ont amené ici, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'important. Bah, le démon, non? Avec des nouilles instantanées. Quoi? Donc, pourquoi ça parle de nouilles instantanées? Smith, 1932. Smith, c'est bien un nom de démon, ça. Je reconnais bien. Pourquoi il y a des tombes qui sont là? What the fuck? C'est bizarre. Genre, c'est un ancien caveau, hein. Taylor, 1940. Ah, genre, c'est toute une famille entière, je pense. Mais c'est bizarre parce que normalement, les tombes sont pas comme ça dans les caveaux. Ah. Bonjour. Jones. Bien américain en tout cas tous ces noms. C'est pas Jones non plus. Des bisous Coco. Ah bon, bon courage pour les courses. C'est un mauvais moment à passer. Oula. Ça y fait sombre ici. Roberts. Et 1951 ? Je crois, ouais.
Mec tout seul qui n'a pas de famille. C'est un peu triste. Oh, mais il y avait quelqu'un. Et je t'ai vu. Sur le tutu. Ça s'est effondré. Johnson, 1968. On s'approche, on s'approche. Coucou Anaïs. Ça sent le screamer, hein. Préparez-vous. Ça sent le screamer malhonnête. Ça, c'est la tombe du démon. Ça, si ça sent pas le démon, vu comment il a accroché le cercueil, eh ben, je sais pas ce que c'est. Hein. William. William ou Brighton Family Youngest Child. Ok, c'est le plus jeune fils. Le plus jeune enfant de la famille Brighton. Donc, c'est William Brighton. Attends, mais là c'est marqué Parrington. Faudrait savoir, c'est Brighton ou Parrington? C'est bizarre, c'est pas marqué la même chose. Entre les bouquins et les corps qui pourrissent. C'est fermé. C'est mon chat, pas de panique. J'ai peur. Parrington, William. Nous, on cherche Brighton, du coup. Bonjour. Merde, j'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc. Allô, j'ai loupé un truc. Ah, les clés. Ah oui, entre les bouquins et les clés qui... Ok. Et les clés. lettre écrite à la main. Elias, durant 60 ans de ma vie, j'ai passé mon... Enfin, j'ai dépensé l'entièreté de ma vie à essayer de rencontrer le diable. Et un jour, il était possédé... Until one day, he was possessed by the devil. Oui, il y a un jour, il est possédé par le démon. Et il a commencé à tourmenter des gens. Après un moment... il a été tué par les policiers, mais son corps a été entreposé dans une tombe protégée, encerclée par des croix et des versets sacrés. Elias était quelqu'un de très gentil, avec quelqu'un au grand cœur, mais le démon a pris son corps et son âme pour lui. Alors, c'est pas William, c'est Elias. Merde, putain, je comprends plus rien. William. Ah, ouais, en fait, ça, William et Parrington, c'était juste pour me dire où était la clé, en fait. Donc, c'est Elias. Là. Eh ben, dis donc, il arrive encore à faire... Ah, les bougies sont allumées, donc ça veut dire que quelqu'un est venu aujourd'hui. Oui, possiblement. Peut-être le mec qui était pas content, peut-être qu'il faisait un truc. Le démon, il arrive encore à faire des conneries avec tout ça, là. Oh. The fuck? Alors, comment je me débarrasse de lui? Telle est la question. Pourquoi il y a une tombe rouge? Oh! J'ai une grosse hache! Je pète le cercueil? C'est quoi ça? Paf! Oh! Ouais. Je sais pas si c'était la meilleure des idées, mais ok. Bonjour! Je vous libère un peu, le temps de vous tuer. J'ai pas pris le sel avec moi. Ah! Mais regardez, des lunettes et... Il y a un visage un peu momifié, mais c'est le mec que j'ai vu devant le portail. Par le nom du Père, le Fils et par le Saint-Esprit, Elias, le démon a possédé ton corps et ton âme dans ce monde transient.
Là, j'ai pas. Jusqu'à aujourd'hui, tu as vécu, tu reposeras, pardon, en paix dans un sommeil éternel, parce que la pitié du Lord, de Lord Battle, te garde loin du démon. Elias, faites que le Lord te pardonne pour tes péchés et place ton âme en paix. Eh ben, ça a pas bien marché. Hein. Rezos, il était pas très... Il s'en foutait un peu, sur mon avis. On n'a pas mis de sel, mais ok, on crame. On va peut-être sortir, du coup. Non ? Exit the tomb. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Hein. Ça va être fermé. Non, c'est bon. Ok. Pièces servent à payer les passeurs de mort. Il y avait des pièces ? Pas des lunettes, mais des pièces. Ah ! Mais moi j'avais l'impression qu'il avait des lunettes quand il était devant le portail. Beaucoup trop de blabla, allez allumer le feu. J'en ai, on allume le feu. Vite, sors pour du... Ici, wow. Bah alors. Oh, miam miam miam. Mais monte. Oula, c'est l'échelle qui va vers le néant. Pas bon signe, ça. Ou alors c'est juste un chargement, ok. A tout de suite, Miss Angel. Bah on ouvre peut-être. La lampe. Go back to security room. Ah genre on retourne à la security room? Moi je pense que ça a pas suffi ce qu'on a fait. Hein. Ah mais je suis ressorti par là, ok. J'entends pleurer. Par là-bas je devrais aller checker. Ah pap. C'est la nune. Faut appeler Rezos. Je pense pas, Néon est parti se coucher. Mais oui, c'est la Noon. Ah. Mais oui, mais c'était sûr. Voilà, on a rencontré la Noon. Allez, on est content. Mais on l'avait dit. Oh, je m'étouffe. Il est bête le perso. On l'avait lu. Attendez. Il y a un truc qui me gratouille la gorge, c'est vrai. Ah, ça me gratouille. Oh là là. Je savais ce qui allait se passer et j'ai quand même réussi à avoir peur. Screamer était pas si mal fait. Bon, est-ce que j'ai apaisé les esprits? Mais non! Mais ferme le verrou! Mais ouais, attends, le verrou il veut plus se fermer! Mais! Sacre bleu! Ça ne marche plus! C'est fait exprès? Ah, ça c'est les fantômes qui m'appellent de nouveau. T'as merdé. Ok, donc il y a encore un mec qui creuse un trou. Bah le trou est déjà fait, hein. Je sais pas ce qu'il est en train de faire du coup. Ou alors il rebouche. Il y a tous les fantômes de tout à l'heure. Ah mais en fait elle a un masque de peste on dirait. Vous avez vu? Je crois que c'était la nonne tout à l'heure mais non, c'est pas la nonne. Ah, le grand mec qui avait l'air mort. Il était vraiment mort du coup. Voilà. La voiture. Qui doit être un fantôme du coup.
Et ça, c'est Elias ou pas? Du coup, j'ai un doute. Je suis pas sûr, hein, en fait. On dirait vraiment qu'il a des lunettes, quand même, là. Oh, mais il y a un petit cercueil ici. Oh, mais Jesus! Jesus, il a changé de tête. Ah, c'est peut-être plus Jesus. Je pense que j'ai pas renvoyé le démon. Je l'ai libéré, là, plutôt, non? J'ai fait pile ce qu'il fallait pas faire. Ah. Bon, au moins, les cadavres sont revenus. En l'état, non. Mais tout le monde est là, en tout cas. On te verra en enfer. Ah. Ouais, je crois que c'était pas ce qu'il fallait faire. C'est parce que j'ai pas utilisé de sel. De sel. Le diable ne peut brûler. Bah ouais. Non, mais moi aussi, ça me paraissait bête, cette histoire. Bon, là, je crois qu'on va juste crever. Oh, le verrou a disparu. Quitter l'endroit. Comment? Il est drôle celui-là. Et les fantômes, ils sont gentils à me dire ouais, débarrasse-nous du démon. Mais ils me disent pas comment, genre. Bon, je suis sûr qu'avec un petit coup de Nimbus 2000, on aurait nettoyé le démon direct. Hop. Bon, ça va mal se terminer. Hein. J'ai même pas le temps de terminer ma phrase. Putain, il m'a mis une claque. J'allais dire courons. Ah, je vais t'enterrer moi aussi. Ah, j'ai plus ma lampe. Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis mort? Fort possible. Je vais être sûrement en enfer, on me l'a promis, donc... Oh! Ok. Salut. Ah, oh, c'était bien Elias, alors, l'homme au chapeau. Bonjour. Je suis dans toutes les tombes. Et t'as tous les enfoirés de fantômes qui me regardent et qui me jugent. Pas très sympa, hein. Ah non, là, y'a personne. Ça doit être ma tombe, alors? Non, même pas. Ça, c'est ma tombe. Oula, ici là, lui. Monsieur? Je sais pas quelle tombe prendre. Elles sont toutes jolies, hein. Ils me font coucou. Ah, il y a un mot là, non? Giant Warehouse Fire Ravage City Street. Ah, il y a une grande bâtisse qui a brûlé. Qui a tué plein de monde. C'est toujours les mêmes. Je cherche choisir un cercueil ou... Celui-là il est pété. Petite trace de main là mais... Ah, ils sont trois là. Et il y en a un, ils volent un peu au-dessus mais on dira rien. Ok, et du coup, je fais quoi maintenant? Non mais c'est triste, je suis mort et tout, mais ok. J'aurais bien choisi celle-là, elle m'avait l'air sympathique, mais... En plus, il y a un monsieur qui dit wiggle wiggle. Monsieur, vous wiggle wiggle. Regardez, on le voit d'en haut en train de wiggle. Ah bah elle s'est ouverte. Bah alors. Ah bah allez, sautons dedans. Allez, je prends celle-là. Elle m'a l'air sympathique. Grosse soirée au cimetière.
Ghost body after death. Ah, oh, je suis pas encore mort. Enfin, façon de parler, mais. Si, je pense que je suis def. Hein. Bonjour. C'est vous tous là qui m'avez envoyé à l'échafaud ? Merci beaucoup, hein. Merci. 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 Merci, la prochaine fois vous démerdez tout seul, hein. C'était pas de ma faute en plus. Donc merci. Et allez bien vous faire voir, hein. Prochaine fois, j'aide personne. Du monde pour le pot de départ, ouais, grave. Là, on peut dire que c'est un pot de départ, du coup. Effectivement. Merde, j'ai fermé, je crois. Ah, je suis revenu ici. What? Tout ceci n'était qu'un rêve. Putain, mon chat, il ronfle si fort. Le signal, comment je mets la cassette? Est-ce qu'il y a un lecteur cassette? Il n'y a pas lecteur cassette là? Ah là, pardon, excusez-moi. Comment je mets la cassette? La cassette. Vidéo système. Oui, alors il m'explique. Il m'explique ce que c'est une cassette. Non, mais juste utilise-la. Comment je la mets? Merde. On va y arriver. Eh, c'est pas facile, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé un magnétoscope. Donc, Castagan, il y en a, ils doivent même pas connaître. Mais quand je fais play, ça... Ah, voilà, ça y est. J'ai réussi. Pas simple. Oui. Ouais. Hello there viewers. Today's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. Ça doit être mon histoire alors. He realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man. C'est exactement ce qu'ils m'ont demandé, les fantômes m'ont demandé. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of the demon-possessed man. On l'a brûlé, voilà. But he didn't know that the spirits are not visible and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. Super, ouais, donc ah, ma seule récompense c'est la mort, ouais, je sais pas, je suis content. Nickel. Super. Qui a enregistré sur par-dessus la cassette du mariage. Nos signal, ouais, je peux plus regarder les caméras. Bon, bah, allons mourir, hein. Non. J'ai déjà play. Je veux pas la replay. Hello there, viewers. Ah, je peux la replay une deuxième fois. He was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man. Look at up. Oh merde. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of a demon-possessed man. Y'a rien, up. But he didn't know that the spirits are not visible and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again. Y'a rien, the spirits of Whispering Winds are in torment. Ah non, don't look. Non, regarde pas en haut. Guard. Ah là. J'étais dans ma tombe. J'étais déjà dans ma tombe. Et on savait qu'on était mort. On avait des visions bizarres quand même. Non, je suis pas mort.
Tout ceci n'était qu'un rêve. Bon, alors, change de boulot, hein, parce que c'est quand même fatigant, si c'est ça toutes les nuits. Oh putain, mon meuble est revenu. Pas ma gamelle, par contre. Oula, ça rame un peu, d'un coup. Il fait jour. Tout a l'air normal. C'était une grosse soirée hein, dans le cimetière. Il y avait des fantômes, il y avait même le diable, vous vous rendez compte? On a fait des blagues, c'était spooky. Oh mais il y a Johnny qui est devant le portail. Vous pensez qu'il va me dire que j'ai bien travaillé ou pas? Les cadavres sont revenus à leur place. Ok, bon bah allez, on va voir Johnny. Les corps sont revenus à leur place, il n'y a aucun signe du cauchemar de la nuit dernière. Rencontrer le prêtre. Ah non, le prêtre c'est pas Johnny, non? Réseau, c'est plus là. Il était plus là? J'ai pas fait gaffe. Portrait de Réseau. Réseau, ça a disparu. Ah! Je peux aller voir vite fait. Hein. Bien doux ce chien dont j'entends aussi. Ah non, je peux plus y aller. Du coup, c'était un rêve? J'ai vraiment réussi à me débarrasser du démon? Le démon est en moi. Il a trouvé la nouvelle hôte. Ah, c'est sûr, c'est ça. Ah, comment était la première nuit, le gardien, dans notre gros cimetière? Je pense que vous pourrez dire que devenir un gardien dans cet endroit revitalise l'esprit humain. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il dit? Quitter le cimetière. Ouais, salut, je me casse, hein, ça m'a saoulé. Est-ce que j'ai le démon en moi? Ah, je vais écraser le prêtre! Ah, ça serait si drôle! Non. Oula. Pourquoi le Joram d'un coup? Ah, je conduis! Ah, c'est clairement une musique de démon ça. Et la voiture fait pas de bruit, c'est démoniaque. What makes a woman hang her weary head and cry? When she starts to tell her only loving man goodbye. A woman. Il va se passer un truc. Hey, hey, hey! A woman is a woman. Là au-dessus du pont, y'a pas un truc? Si, y'a un mec! C'est le diable! C'est Elias! Il va sauter sur ma voiture? Non. Mais finalement, tout ça n'était qu'un rêve, mais je meurs quand même à la fin. Ah oui, c'est ballot, hein. Destin me rattrape. Non, j'avais fini ma nuit de travail. Je suis plus au boulot, vous avez pas le droit de m'attaquer. Nul la mort. Attendez, on n'est pas mort encore. Ah, j'ai réussi à sortir. C'est qui? C'est le prêtre? Ah non, c'est la voiture maudite, non? Est-ce que tu entends vraiment les cris d'un démon? Mais ça suffit! En tout cas, il m'a bien suivi. Hein. Pas d'heure sup s'il vous plaît.
Graveyard shift. Bon, il a fini par m'avoir au final. J'ai pas bien compris pourquoi je ne mourrais pas finalement. Après tout ça. C'est peut-être juste pour me faire un petit... Hey, t'as vu, je vais te faire croire que je t'ai tué, mais en fait t'es pas encore mort. Tu peux t'échapper, hein. Tu penses que t'en as fini. Que tu es libre. Eh ben non. Je pense que c'est ça. Hey, c'est le diable ou c'est pas le diable? Eh ben, c'était très cool, je trouve aussi, ouais. C'était pas parfait. Il y avait un ou deux screamers qui étaient un peu moins bien. Il y avait deux trois trucs qui auraient pu être améliorés, etc. C'était pas, voilà, c'est pas le jeu de l'année non plus, mais c'était cool quand même. Franchement, et c'est bizarre de dire ça, mais. On n'a pas vu tellement de jeux qui se passent dans des cimetières, de jeux d'horreur. Et ça change, et il y avait le petit gameplay avec les caméras et tout, bon, même si c'était très linéaire au final. Mais quand même, c'était pas mal du tout. C'était cool.